Je sais pas, j'ai dit ça peut-être parce que c'est un rêve. Non, mais c'est un pattern. Plus ils sont, plus sont fâchés, plus ils sont dans le garde-robe. Genre, j'ai le prou, une bottom, si je vous le dis. Non, mais c'est pas que je vais pas essayer, mais moi, je suis un pénis comme l'odeur du gaz. Au début, j'adore ça, mais c'est pas long que ça m'étourdit. On va te le dire. C'est ça qui arrive. Le début, je suis au sopo. T'as-tu déjà essayé pour vrai? Ado, oui. Puis c'était cet exemple-là. Ben oui, ado qui a un chum de gars, pis ça n'a pas été long de faire non. Pas si pressé de fourrer finalement. Fait, pis le gars que t'étais avec, il était-tu gay ou c'était. Oh. All right. Merci, c'est gentil, monsieur, mon chum de gars. T'as détaché un bouton. On va aller rincer une coupe de niaiseuse tout à l'heure, moi pis toi, Jean. Non, il était pas gay. Okay. C'était un autre chum de gars qui était pressé. Ça doit être mauvais, mettons, deux gars qui sucent, il y en a un qui aime calissement ça, l'autre trippe pas. Celui-là qui fait « Ouais, non, j'aime pas ça », là, l'autre, il est obligé, même s'il est bandé, puis il est plein de pre-com, faire « Non, c'est pas cool. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment, je vais juste aller me crosser dans les toilettes en te regardant, mais c'est dégueulasse. T'as raison, c'est pas cool, mais ils sont de ça maintenant. Je t'aime. Hein. Voyons, Kevin, on se tire, saisis-toi. On va jouer à balle. On chum de gars. Mais non, ben non. Calisse. Ah non. Je t'aime en suçant de queue. Ben, c'est la première affaire, moi, que j'aime dire en pénétrant. Je t'aime. C'est beau. Ça les met à l'aise. Ben je t'aime beaucoup. D'ailleurs, dis ça souvent à des serveuses random au resto. Je t'aime. Ils ont l'air mal. Le meilleur, c'est en pénétrant, tu dis « Je t'aime » et « C'est quoi ton nom? » Oui. Oui. Ça, c'est tout le temps. Je t'aime, comment tu t'appelles? Enchanté, je t'aime. Oui. Réponds-le avant de t'endormir. Parce que tu lui donnes des pilules avant. Oui. Tu dois être sûr qu'il dorme. Un anane qu'on appelle dans le milieu. Oui. Dans le milieu. N'as-tu dans le milieu de ça? Hein? Des pilules pour endormir. C'est une bonne affaire. Oui. Le monde se réveille tout perdu. Ça s'appelle de rien. Nous autres, on fait des petites farces en avant. Genre. C'est bien fait, l'humour. Calisse. Chris, là, les gars. Un viol, ça n'a jamais tué personne, là. Non, mais à un moment donné, là. Excusez, c'était à voir faire, c'est assez. C'est trop, ça, c'est trop, là. J'ai un homme d'un certain âge, Carlis. Une chance, il ne l'a pas dit. Imagine cette phrase-là dans le monde de stars. Ah oui. Ah, c'est ça qu'ils vont faire. Ouais, ça, il l'écoute, là, il est fier. T'es mon hostie. La face devant chez nous, un viol, ça n'a jamais tué personne. Là, il y a plein d'affaires. Sébastien Dubé, deux points, les guillemets. Un viol, ça ramène tuer personne. Demain matin, il pose ça. D'un truc de clickbait, c'est voici les personnes que Sébastien Desdenis veut violer. Numéro 14. Va vous surprendre. Numéro 14, c'est genre Caillouche. Là. Oui. Caillouche est 14. Le jeune qui nous sert, ça, c'est un. Ben, Chris, dans le top 3, c'est sûr. Ça serait quoi ton top 3, mettons? Top 3? Ouais. Grégory, il est quelque part. Peut-être deux, mais Chris. Il est-tu un et trois? Un et trois. Ouais. C'est sur six que la grande chenille, c'est tiré de un à trois. Ah oui, Grégory. Hey. Puis un bubble butt à mon. T'as jamais enculé un gars jusqu'à temps que tu le tiennes par le sourcil. Par en avant. Chris. Tu l'encules par en avant en le tenant par le sourcil. Ah oui. Grégory, un beau gros sourcil qui joue du piano. C'est bon, tabarnak, ça. M'a te pogné à chenille quand je te défonce. j'espère. Ça, je comprends pas que ça fait 1000 ans qu'on lisse, que tout le monde le connaît. Personne n'y a dit qu'il fallait qu'il enlève cette patch-là. Là, il l'a pu, par exemple. Il l'a enlevé, il a catché 40 ans plus tard. Bon, catché il y a 6 mois. Ça aurait peut-être sauvé mon enfance dans le temps des débrouillards s'il l'avait enlevé, ça. Ouais. Il connaît trop de tournes, mais il connaît pas ça, les sourcils. Il est dans le rush, mais il gère mal. Mais je l'aime bien. Ben, c'est ça. Grégory, le blond qui a là, Caillouche, style, mon top 14. OK. C'est bon, ça. Grégory, Caillouche, puis qui est donc? Le blond. Le jeune. Le jeune, là, qui nous agace ici. Yann, il n'est pas là-dedans? Ah oui, Yann, il est là. Salut, Yann.
Yann, il est mêlant. Premièrement, je t'ai vu dans les loges tantôt. Je t'avais jamais vu de bout. Je savais pas que tu mesurais 4 pieds, toi, Chris. Je trouve ça cute. Non, mais c'est cute. Puis là, de ce temps-ci, sur Instagram, Yann, il commande toutes mes posts avec des cœurs. Il cherche, là, le monsieur, là. Il cherche en Chris, là. Il commence avec les monsieur, madame. Après ça, ça va être avec les monsieur uniquement, là, je te le dis. Cochon. Tu penses-tu que les gars dans le garde-robe commencent en cruisant des drags avant? Je sais pas. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que je suis la plus laide des drags qu'il y a au Québec, là, mais... Non, ça m'est arrivé une fois, je travaillais au vestiaire au cabaret Mado, puis il y en a un qui arrive, puis il dit « t'es vraiment belle, tu veux-tu qu'on couche ensemble, puis tout? » Puis là, moi, pour me sortir de cette situation-là, parce qu'il était très insistant, je l'ai pointé, j'ai ri super fort, j'ai dit « Ah, tout le monde, il trippe sur ma face! Asti qui est laid, il est cave, il trippe ses laides! » Fait que là, il était gêné, puis il a crissé son camp. Mais t'étais bien dans ta sexualité, ce bout-là. T'étais bien dans ta sexualité. T'as une belle confiance. Une belle confiance. Non, mais en drague, je suis dégueulasse, puis il n'y a rien moins sexuel que de fourrer une drague, tabarnak. On pue la marde, on a super chaud. Faut-tu déchirer 500 bas-culottes te rendre au snack? Ça a pas... C'est pas... Moi, je trouve pas ça sexuel, une drague. Mais il y a des gars qui aiment ça, Chris. Ils s'en viennent au Mado puis ils essayent d'en pogner une, mais ça marche pas, là. T'sais, on se cachera pas qu'on est des messieurs pis on est capable de se battre, là. T'sais, fait que... J'ai la descente du coude assez facile, Mike. Tout, c'est parce que ça va sonner méchant, mais c'est pas vu que t'es connais. Colette Provencher, c'est-tu une drague, ça? Non, mais... Ça de long. Oui, hein? Ah, oui, oui, oui. Uncut avec la veine. Uncut, grosse veineuse. Ça prend une roulette de tape et demi, cachée. Oui, 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 oui. Elle, ouais. Elle dégueule à TV, puis elle bande, c'est comme un grand chien. As-tu dégueulé à TV? Oui. Non. C'est quand qu'elle dégueulait à TV? Sortez-moi d'ici. Dégueulé partout. J'ai une vraie crise de honte. T'as écouté ça, sortez-moi d'ici. Ben, jusqu'à temps qu'elle dégueule. C'est quoi, ça, là, c'était... c'est comme le Big Brother de TVA, mais dans Jungle? Non. C'est quoi exactement le concept? Je pense que c'est un Fort Boyard dans le bois. OK. C'était même pas un show réalité. C'était vendu comme si c'était un Survivor de vedette. Mais je t'en ai pas parlé avec Pierre-François il y a 2 mois. T'écoutes, t'as rien. Non, t'es non, défoncé, j'écoute. Mike. Oh, j'ai fait. Mais ils disent ça, là. Sortez-moi d'ici. Ils font des défis. Ben, enfin, il y en a qui reçoivent de la couleur sur la tête. Hey, c'est bon, Nasty. Tu le récolteras sur Club Illico. C'est bon. C'est chose de gagner. Là. OK. C'est qui a gagné? Mais ça qui me fait capoter, c'est là que tu vois que la télé, il compte n'importe quoi pour les codes d'écoute. Tu regardais, mettons, Big Brother, les codes d'écoute, c'est, mettons, 700-800 000. Ouais. Bien du monde, je connaissais, l'écoutait. Ouais. Sortez-moi d'ici, c'est 2 millions de codes d'écoute. Je connais personne qui a écouté ça, sauf toi. C'était 2 millions? Oui, c'était 1,8 million, genre. Oh, puis ouais. Personne sait. Y a-tu quelqu'un qui sait qui a gagné? Qui? Andrea Mallette. Bocelli, oui. Bocelli aussi. Andrea Bocelli finit avant-dernier. Ouais. Il n'a rien vu quand c'est tombé dessus. Il t'a perdu. C'est fait de vomir sa tête. Il ne savait pas. Il pensait qu'il se faisait venir dessus. C'est quelqu'un qui a compris ce qu'ils ont dit, tabarnak. Andrea Mallette. Mallette. Andrea Mallette. Cool. C'est ça? Andrea Mallette? Oui. Tant mieux. C'est qui, Andrea Mallette? C'est une chanteuse. OK. Elle chante toutes les chansons, là. Son plus grand succès. Mike Collis, il joue le gars qu'elle connaît pas. Oui. Toutes ses hits. Une pis une autre. C'est comme les Beatles, quand tu te mets nommé, ça finira plus.